venu sur le stand de Nintendo pour commencer cette Paris Games Week 2022 Restart. Et oui, c'est pas mal hein, de commencer directement sur le stand de Nintendo. Ouais, je trouve ça sympa aussi. Voilà, allez, c'est parti, on va faire le tour de la convention qui revient après 2 ans d'absence et ça fait du bien de se retrouver dans le monde du e-sport, du gaming et de tout ce qui est en gaming. Allez, c'est parti. Il y aura peut-être des cosplayers aussi. À voir. Allez, c'est parti, go. N'étions pas les seuls à être intéressés par le stand Nintendo. Jean-Noël Barrot, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé, lui, de la transition numérique et des télécommunications, était aussi présent sur le stand. Il a appris à se servir de la manette Switch, la console de Nintendo, portable ou fixe. Très sympa cette console. Et il semblerait qu'il ait apprécié de s'amuser avec la console. Il est ensuite reparti visiter les 117 stands de la PGW 2022. Parce que c'est l'espace où il y a les grosses cavaleries du gaming. Hein, on est passé devant le stand de PlayStation avec God of War, Nintendo, tous les grands sont ici avec les nombreux jeux. Vous pouvez imaginer, Sega est par là-bas. On fera un tour au Made in France tout à l'heure pour les petits jeux plus sympathiques. Parce que le Made in France c'est sympa à voir avec tous les petits jeux qu'ils peuvent imaginer, ainsi que les écoles qui sont là-bas et l'espace junior. Mais cette année, le Paris Games Week est un peu réduit, je trouve, parce que tout est au même endroit. Nous sommes dans le hall 1 et il y a tout le monde. Alors on est en semaine, du coup il n'y a pas grand monde, même si c'est les vacances. On n'est pas dans l'ambiance folle qu'il y avait à une certaine époque où pour avancer, il fallait jouer des coudes. Voilà. Alors on va continuer à avancer et faire un petit tour. Allez, go! Présenter. Ouais, tout le monde le connaît heureusement et celui-là il bouge pas. Dieu merci.
voilà, possible la demande des prêteurs pour la vidéo. Bon, le dilemme, on commence par quoi? La Made in France ou les écoles? On va voir. Et c'est parti. Notre tournage de la Pouce Geek à la Paris Games Week PGW 2022 Restart se termine. Alors quoi dire, toujours la même chose, entre guillemets, du jeu vidéo, du e-sport, du gaming, des écoles de formation, et oui, il y en a aussi, du Made in France, il y en a aussi, une visite de ministre, il y a eu aussi, bon ça vous êtes habitué avec moi, une visite de ministre, et quoi d'autre, plein de choses, voilà, qu'il fallait découvrir. Un salon un peu plus petit que d'habitude, ouais, ce qui ne fait qu'un le hall 1, donc c'est un peu court, je trouve, par rapport à l'ambiance, et du coup on s'entend pas beaucoup à l'intérieur. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous laisse, à la prochaine Pouce Geek, et d'ici là, amusez-vous bien. Moi je pars en vacances. Salut, bye.